Camarade, mes rouges, les événements petits bateaux. Camarade, agriculteurs bio et actionnaires de Monsanto. Rares intellectuels, rugés, expurgés, oui, l'histoire d'un socialiste choisis. J'ai vécu plusieurs vies. On m'a appelé Joseph, Paul, Osnerol, mais peu importe. Je me suis bien amusé. Et surtout, j'ai eu plusieurs publics et ça m'a plu. Ma septième vie m'a fait par contre ceci. Et pour la première fois, mon poil est blanc. Je parle pas de ma mèche, mais de celui qu'on réserve aux dames. J'ai eu deux passions dans ma vie. Moi et l'artillerie. C'est un signe qui ne trompe pas. L'histoire qu'on va vous jouer m'a convaincu de la beauté du diable. Et ça, peu importe le prix, c'était chouette. Cette femme avait la beauté d'un ange et ça m'a coûté cher. Cette histoire, c'est le requiem d'un con en mieux écrit. Bref, je m'embrouille un peu. Georges a peut-être claqué, mais il a connu les draps de Méphista. Avant qu'elle ne l'étouffe entre ses oreilles, la diablesse. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Risquer sa peau sous les draps ou la risquer sous les drapeaux? Boum! Comme dit Céline avec beaucoup de poésie, les mecs sont à la passion ce que le gland est au chêne, une chose qui pendouille et rien de plus. Rappelez-vous de Marlowe. Elle était du monde, des ombres, d'une race obscure, malheur, chose invisible, de celle qui se faufile et vous envoûte. Elle voulait le mal, mais faisait le bien. Elle le faisait bien.
prenez le train? Je n'en ai pas besoin. C'est curieux de n'avoir aucun besoin dans une gare. Je ne suis ni d'ici ni d'ailleurs. Que fais-tu dans la vie? Là n'est pas la question. Bon, je le ai de masse, c'est vous dire à quel point mon désespoir est lourd. Votre désespoir? Oui, je sens que la vie m'abandonne, mes forces m'abandonnent, tout m'abandonne. Et je me demande même à voir si j'ai encore la foi. C'est vous dire, mademoiselle. Mais quel est votre tourment? C'est le temps. C'est le temps de cette horloge. C'est le temps de mes cheveux blancs. C'est le temps, mon tourment. Il y a des solutions à tout? Je ne pense pas qu'il y ait une solution pour les problèmes de temps. Me vendriez-vous votre âme au Soul Commodity Market? La vôtre vaut une éternité. Mon âme? Encore faut-il en avoir une? Vous êtes marchand d'âme? Je suis marchand d'âme, à mes heures perdues. Mes heures, précisément, je les perds, mademoiselle, je les perds. À quel prix? Cher, très cher. Contre quoi? Mes clients sont généreux, vous auriez l'éternité. Et la jeunesse qui vous fait tant défaut. Merci de me le dire. Vendez, vous récupérez l'éternelle jeunesse. Vous aurez tout le temps pour vous. Vendez. Et le temps serait figé. Exactement. À vous, jeunesse. Ça pose, ça pose, ça pose. Ma foi. Votre foi, c'est bien ça le problème. Puis-je conserver la foi et l'âme? Ou puis-je conserver la foi en perdant l'âme? Ni l'un ni l'autre. Vous aurez gagné l'éternelle jeunesse. Et que ferez-vous de mon corps? C'est vous qui allez utiliser maintenant votre corps. Vous aurez des beaux cheveux comme dans votre jeunesse. Vous êtes une flatteuse. Absolument pas. Je l'ai déjà soupesé. L'âme, j'espère. Évidemment. On m'a dit qu'il y avait une corrélation entre le poids de l'âme et celui de la prostate. Est-ce vrai? Je ne vous répondrai pas. Signez et vous saurez. Et on signe, comment ça se fait? Vous nous donnez 3 exemplaires d'un contrat éventuellement? Non. On fait Mazel Tov, on fait... Seule votre signature compte. Vous me donnerez un peu de votre sang. Je vous donnerai l'éternité. Mon sang? Bon sang, bien sûr. Ça me rappelle une drôle d'histoire, ça. C'est-à-dire? L'histoire qu'on me racontait dans mon enfance. Il s'agissait d'un type qui avait signé avec son sang et qui s'était chopé une hépatite. Et vous savez pourquoi? Non. La plume n'était pas propre. Dans ce cas présent, les techniques modernes sont différentes. Vous ne signerez pas avec une plume. Pensez, je vais réfléchir. Pensez à tout ce temps que vous allez gagner, à toute cette jeunesse que vous allez utiliser. Ça sera merveilleux. Au tempora. C'est mon sang qui coule. Vous le voyez vert, en fait il est bleu. Ma maman était très fière de ça. Peu importe qu'il coule ou dégouline, de toute façon, c'est une belle image de cette triste histoire. Bon alors, et ce contrat? C'est qu'il est? Le contrat est prêt? Le contrat est prêt, mais le contrat est prêt. Le contrat, il dit quoi, le contrat? As-tu vraiment besoin de savoir toutes les clauses du contrat? Tu sais, hein, c'est comme dans les assurances, c'est comme dans l'immobilier, je sais pas si tu peux t'imaginer. Il faut tout lire. Mon contrat n'a pas besoin d'être lu, il a juste besoin d'être signé. N'oublie pas que tu joues un contrat contre l'éternité. Mais je ne joue pas, hein.
je donne et je reçois. J'aimerais savoir, en gros, quelles sont les applications des articles 400 et suivants du Code des obligations. Est-ce que tu as fabriqué un contrat? Mais il n'y a aucun article. Viens, je vais te montrer. Chiche. Tu vois celui-là? Ça, c'est Lénine. Ah, celui-là, il m'en a donné du fil à retordre. Un salopard de première. Viens voir quelque chose d'intéressant. Tu vois ça? Ça, c'est Kadhafi. Celui-là, tu crois qu'il est encore vivant? Et pour longtemps. Formidable, c'est mon modèle. K comme contrat. K comme connerie. I comme indolore. I comme Icar. B comme bon pour toi. B comme bêtise. O comme ose, Osnerol. Moi j'ai rien à dire. Tu vas le signer 29 fois. Les conditions? K comme contrat. Et K comme crime, celui que tu commettras si tu ne signes pas. K comme crétin. E comme enfer, l'enfer que tu vas vivre si tu ne signes pas. E comme emmerdement. S comme souffrance. Continue S. comme ça, t'es mal barré. Comme sexe. U comme ultimatum, parce que maintenant tu signes, ça suffit comme ça. Yeah. Il n'y a plus de réflexion possible. Tu dois signer tout de suite. Nous allons sinon signer. Ta vie sera de toute façon un enfer. De toute façon, tant qu'à faire, signons. J'ai immédiatement rejoint le régiment des âmes, dont on voit ici d'ailleurs la promotion pour une marque de soutien-gorge. Quelle belle et bonne et virile promiscuité! Et je suis où ici? Je suis où? Tu es où? Je suis où? Où es-tu? Où vois-tu? En enfer! Ma vie, c'est cool! C'est chaud! C'est trop tard? Bien sûr! Trop tard? Il reste 28 secondes, 27, 26, 14, 13, 2. Il ne reste rien! Rien! À nous, les petits pépés! Ça fait 50 ans maintenant, 50 ans que je me fais chier avec cette conne dans le dos. C'est long. Mais qu'est-ce que j'ai signé 50 ans, si j'avais eu 50 ans? Je serais évêque, cardinal. 50 ans, mais quel con j'ai été, mais quel con! Pas possible! Faut que je renégocie, c'est... Je vais me le renégocier, tu vas voir comment. Il faut que je la piège. Et je sais. Mephista, prends garde. Et dis-moi, Mephista, j'avais pensé pour te remercier, t'inviter à déjeuner. Et en guise de rendez-vous, j'ai trouvé un coin très très branché, enfin très Jean Mephista. Est-ce que tu as la gentillesse de bien vouloir passer dans quelques... Ben voilà! Que penserais-tu d'une association? Non mais attends, j'ai pas le temps là. Moi j'ai d'autres âmes à aller récolter là. Tu bluffes. Depuis 50 ans, j'ai rencontré personne. Alors, mais tu crois qu'on vous mélange, hein? Une association. Une association de quoi? Du type coopérative, par exemple. Mais je te ramènerai non, des âmes. Coopérative, quelle horreur! Je t'amènerai des âmes. Je pourrais te trouver des artilleurs? Non. Des artilleurs. Quoique, des artilleurs, ça peut être pas mal. Des artilleurs. Qu'est-ce que tu les aimes? Tu les aimes capitaine, caporaux, ah, maréchaux?
Un petit caporal d'artillerie. Caporal d'artillerie. Voilà une chose qui ne serait pas impossible à trouver. Contre quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? La libération de mon contrat. Non, jamais. Si on dit jamais, jamais. Mais tu deviendras mortel, c'est sans intérêt. Eh bien, c'est mon problème. Bon, écoute. Si non, mais tu gagnes au change. Tu gagnes au change, franchement. Franchement, deux artilleurs. Deux artilleurs, ça vaut 2000 séminaristes. Non, mais un artilleur suffira, mais tu m'amènes 22 âmes. Un artilleur, dont 22 âmes ? Ou 22 âmes, dont plus un artilleur. 22 âmes. Allez, dépêche-toi. Top là. Les âmes, c'est pas le choix qui manque. Vous me voyez là, je suis le troisième en partant de la gauche, celui qui court et qui s'écrase. Vous voyez ces manœuvres de la division de montagne 10 dans laquelle j'ai tant joué. Là, il y avait de tout. Des particules, des séminaristes, des instituteurs de centre-gauche, des radicaux, quoique eux, ils naissent sans âme, des pisse-vinaigres, des poètes imités, des poètes mités. Et mon choix s'est porté sur quelques pauvres gars qui ne demandaient pas l'éternité, mais au moins la chance d'un dernier été, même dans les bras dodus d'une Suisse allemande. Tout ça pour un souffle de vie. J'étais le complice de mon propre piège. Le courage, finalement, c'est d'inspirer les crétins, de les transformer en héros, et de croire et de faire croire aux autres qu'ils sont beaux, forts et éternels. Bon, ça me fait deux colonels, un évêque, six séminaristes, un homosexuel enceinte. Je ne trouve pas de caporal, il n'y a plus de caporal. Je sens que je n'arrive pas à négocier, je sens. Mais que me ferait-il ? Sa maman peut-être ? A-t-elle une famille ? Je sens que je suis piégé. Je sens qu'il n'y a rien à faire. Et je sens que j'ai fait une connerie éternelle. Mais quel con ! Mais c'est pas vrai, mais il est diabolique celui-là. Mais il est diabolique, il va me rendre folle. Non, diabolique. C'est moi qui suis diabolique. C'est pas lui. Mais quand même... En y réfléchissant, j'aurais peut-être voulu être un ange. Les temps sont durs, c'est pas si facile que ça de trouver des âmes. C'est pas si facile que ça, le business est dur. Ils sont tous là depuis des siècles, à vouloir s'améliorer, à mieux se comprendre, à faire des psychanalyses pour être gentils. Après, faut aller les pêcher, hein. C'est pas de la tarte. C'est vraiment pas de la tarte, hein. Puis moi, je vais pas m'en sortir parce que je sais pas comment faire, hein. Elle est impossible, cette nana. Moi, j'aurais préféré être un diable. Finalement, ça aurait été beaucoup mieux plutôt que d'être la victime. Quel crétin. Ah, que faire? Je sais pas tellement comment le lui dire. Je pense que la négociation, c'est foutu. Me transformer en diablotin, c'est fichu aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement qui puisse mais l'emmerder à un degré qui soit un degré mais maximum. Je pense que je vais me faire passer pour un militant du Hezbollah. Il va m'arriver un truc, c'est tant pis pour elle. Je vais ruiner sa carrière. Voilà ce que je vais faire. Je vais ruiner sa carrière. J'ai finalement réussi mon pari. Je lui ai vendu des armes de pauvres types. Pauvres types qui, de toute façon, n'auraient pas traîné leurs illusions très longtemps. La sanction a été immédiate. Elle m'a exécuté, la salope. Et de mille manières. Douloureux, me direz-vous ? Oh non, pas vraiment. Mais je tenais ma vengeance, parce qu'au fond, je l'aimais bien, cette diablesse. Et sans moi, je savais que pour l'éternité, s'emmerderait. Elle s'emmerderait comme un cardinal son conclave. Un préservatif sur un haricot, une ombre sans la lumière, bref, comme l'humanité sans Osnerol.
paradis, tu crois? Quoi, le paradis, l'enfer? Non, les vieux qui veulent rester jeunes. Ah bah attends, un classique. Finalement, on a filmé un fait de société. Oui, c'est un fait de société aujourd'hui. Plus personne ne veut vieillir. Parce que rester jeune, c'est rester en vie. Voilà qui est profond. N'est-ce pas? Bon, moi je suis sûr que ceux qui nous regardent se disent ce n'est que le début d'une longue saga et le premier épisode d'une sorte de Dallas. Ce que j'ai pas aimé ici vraiment c'est la fin. C'est-à-dire? Enfin, le goût du ketchup, je l'ai encore dans les gencives, c'est horrible. Ah oui, le ketchup à 8h du matin. Les gens qui regardent le film devraient quand même voir qui sont tous les protagonistes. Ah, il est suisse-allemand Ishika. Voilà Ishika, on était très contents de l'avoir, voilà. Il était très sympathique. Lou, la ravissante Lou. Voilà, la ravissante Lou. Qui aurait pu jouer mais pas le rôle de Mephista? Je pense que ce film a une utilité, il a une utilité écologique. Je le dis à tous ici présents, ne sautez pas dans le Rhône est dégueulasse. Sauf quand j'y suis. T'as rien d'une savanette, toi? Nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is down there.